Précédemment dans Majabu Talent. Je suis enfant. Oh, une façon de nous dire according to your knowledge. Viens, je t'accompagne, je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Je fais confiance à mon Dieu. C'est rouge. Tout ce que tu fais, ta. La RDC, pays béni, pays riche en diversité culturelle. La musique, une vie pour certains, une passion pour d'autres. Elle est présente dans la vie sociale de milliers de Congolais. De nos jours, un nouveau style de musique commence à avoir la cote, le gospel. Avec des artistes renommés tels que Mike Kalambay, Sandra Mbouy, Déborah Lukalou, Rosny Kaïba, Atoms et Nadej Mbouma, pour ne citer que, cette musique devient incontournable en RDC. Bonsoir. Cela fait 2 semaines que nous suivons ensemble les auditions du concours Majabu Talent. Tels des athlètes, nos candidats prestent avec endurance et persévérance pour espérer décrocher une place lors de la phase finale de ces grands concours. L'originalité, la créativité et surtout l'excellence sont au rendez-vous lors de ces auditions. Au-delà des prestations, les candidats nous transmettent un message au travers de leur voix. Ils chantent ce qu'ils sont, ils disent à Dieu ce qu'il est. Nous bénissons les seigneurs pour ces moments forts. Nous retrouvons aux côtés du pasteur Mike Kalambay, l'ambassadrice Rosny Kaïba, dans le rôle des jurys principales. Plusieurs sont appelés, mais très peu seront élus. Quel sera le sort de nos candidats ce soir? Mesdames et messieurs, place aux auditions. Bonjour pasteur. Bonjour Rosny, bienvenue. Merci. Aujourd'hui on change de coéquipière. Deborah, tu vas me manquer. Pasteur. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es jalouse? Oui. Pourquoi? Deborah ne va pas te manquer. T'inquiète pas, tu vas voir. Ah, ok. Promis. Allez, ça y est. Let's do it. Ok. Yes. C'est parti. Le prochain. Je m'appelle Bill Bryce Malou Dinkanza, je viens de la commune de Ngaliema. Me retrouver ici, c'est pour moi une grâce d'être sélectionné parmi tant de gens qui ont posté leurs vidéos. Et si Dieu fait grâce, nous allons continuer le chemin avec Majabu Talent. Je dirais que le style de musique que je fais ne dépend pas seulement de la forme physique ou de l'apparence. J'ai choisi de faire le rap parce que depuis tout petit, y a mon frère qui faisait du rap à l'époque. Et puis à un certain moment, j'ai commencé à écrire seul et à évoluer seul. Seigneur, toi qui me connais, j'en ai marre de toujours déconner. Donc le rap, c'est le style que je me retrouve plus facilement sans qu'on me dise quoi faire. Donc si en paix inné, je peux dire, je suis venu pour montrer que peu importe le style, on peut apporter la bonne nouvelle de Jésus, on peut évangéliser, peu importe le style. Et puis, le rap a aussi une place dans la musique chrétienne. Bill Bright. Alors, sans plus tarder, mon ami, dès que tu es prêt, tu peux commencer, tu peux même collaborer avec ton accompagnateur. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Kevin Mandjeka.
Comme un petit fou qui n'a plus rien à donner. Seigneur, toi qui me connais, j'en ai marre de toujours déconner. J'avoue et je reconnais que sans toi, j'ai pas la force de marcher selon l'esprit. Car je tombe, je retombe, je succombe tellement parfois j'ai pas la force de me relever et j'ai plaire. Pendant que mon seul désir serait de bien vivre pour te plaire, je réalise sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi, j'ai l'avoue, je ne suis rien, j'ai l'avoue. Je ne sais pas prier, je ne sais pas marcher. Incapable d'avancer par mes efforts perso, j'ai l'avoue. Mustanga na likolo, lobi kokuta na yonkolo, monte metal et li kakaseyo. Tiens-moi dans tes bras, SOS, je crie à toi dans ma faiblesse, besoin d'aide. Je réalise, sans toi je ne suis rien, je réalise, je ne peux rien. Tiens-moi dans tes bras, SOS, je crie à toi dans ma faiblesse, besoin d'aide. Je réalise, sans toi je ne suis rien, mais sans ta présence je ne pourrai jamais y arriver. Attends. À part cela, y a-t-il un autre morceau que tu peux nous proposer? À part ça. Mes propres c'est morceaux. Pas, non, pas forcément non. Le tien, un autre. Un autre morceau. Attends, dis-moi. Okay. Tu es plus rappeur que chanteur, c'est ça? Oui, je suis plus rappeur que chanteur. Okay. Il m'arrive aussi de chanter. Tu connais les chants de El George? Tu connais même un chant de El George? Ouais, où il chante et il rappe un peu. Fais-nous quelque chose de pareil. En quelques secondes, mon ami. Honnêtement, parfois j'ai pas la force de prier, je me sens dépouillé. Surtout quand je commence à vaciller, je voudrais briller, mais comment dévier l'obscurité qui règne ici sur terre, bien qu'en blanc je suis habillé. Honnêtement, je suis pas spécial comme tu peux le croire. Il peut se faire qu'un jour ou l'autre je puisse te décevoir. Je suis un homme, mais je plains des défauts. Il m'est aussi arrivé de pécher comme il faut. Je regrette de dire ça, mais je crois qu'il faut que je le dise, car je suis en deçà de la moyenne et j'aimerais aller plus haut, aller au-delà de mes faiblesses, mais je ne cesse d'être en loser en matière de sainteté. Merci parfois. Bill Bright. Okay, merci. Bill Bright. Merci mon ami. Merci. Merci. C'est vrai que tu ne sois pas tellement chanteur. D'accord. On peut le sentir. Mais également, le rap a c'est une aussi place, quelque chose qu'on aime aussi. A une place, mais vraiment dans de choix. Musique. Quand on en a vraiment le talent, mm-hmm. Pourquoi pas un rappeur remporter ce Maja Boutalen? Yes. Ok? C'est rouge, malheureusement. Je suis d'abord passionné de la musique et j'ai un don pour chanter. J'ai écrit aussi des chansons. Je me débrouille moi-même en enregistrant des gens dans le studio. Mais je n'ai pas encore fini. Quand j'avais attendu Madjabou, et j'avais dit non, je dois participer. C'est pour que je peux me faire un pas à réussir dans la vie. J'ai perdu ma mère. Mon père aussi, il est déjà mort. Alors, je suis devenue orpheline de père et de mère. Et heureusement, il y a Dieu qui est là. Ça me fortifie. Le prochain. Bonjour, Kaina Mela. Bonjour, Kaina Mela. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va, tu bouges de la tête, ça va. Ça va. Quand je suis éprouvée, ça va aller. Oh. Tu es éprouvée? Oui. Comment ça? J'ai perdu ma mère hier. Oh. Mon Dieu, tu as perdu ta mère hier? Oui. Oh là là, nos condoléances alors, chère Kaina Mela. Et penses-tu que tu as même de faire quelque chose? Oui. Waouh, Kaina Mela. Que Dieu te console, ok? Merci. Tu es une femme forte. Voilà. Je ne peux pas m'imaginer faire ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es courageuse, tu es vraiment une femme forte. Et waouh, je pense que tu es un modèle pour plusieurs. Que Dieu te bénisse en tout cas. Amen. Et mes condoléances, que Dieu console ton cœur, ma chérie. Merci. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Je vais chanter la chanson « Lubu Kwateta Nangai ». Ok. Je peux te demander quelque chose? Oui. Offre-nous un sourire, s'il te plaît. Yes! Non, ce n'est pas venu. Tu peux. Ok. Dieu te bénisse. Dès que tu es prêt, tu peux commencer. Lokola mwana nyonso ya muke atapasi ya taisingo suka si na vanda na loboko ya tata na ngai. Lokola mwana nyonso ya muke atapasi ya taisingo
Suka suka si na vanda na loboko ya tatana ngai bisika boyo balembi bakotele makale susu bipai wapi nazoka makasi na loboko ya tatana ngai 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 hey 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 Ok, Kaina Mela. Déjà, ce qui est bien avec ta voix, c'est qu'elle a vraiment des ingrédients, tu vois ça, auxquels je peux m'agripper, tu vois ça. Et je me dis que cette voix, il suffit qu'elle soit soumise encore au travail. Elle peut s'améliorer encore davantage. Il y avait des très bons mouvements de temps en temps dans ta voix qui me touchaient moi personnellement, ok. On se dit, tu as quelque chose à dire à Kaina Mela? Moi, en fait, j'ai beaucoup apprécié ton courage. C'est vrai que je pense, en tout cas, que tu pouvais faire mieux. Si les jurys le vivent bien, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, mais je pense que tu mérites voilà, une chance d'être encadré, de faire mieux. Juste envie de te faire un câlin, parce que je pense que... Viens. Que Dieu console ton cœur. Tu es une femme forte. Mangue, j'étais éprouvée, mais j'avais dit non, je dois me tenir forte et chanter. Ma mère, elle gère d'abord tout de moi. Et elle était vraiment la seule qui me motivait. C'est elle, deux fois même, qui me propose des chansons pour aller chanter quand on m'invite deux fois dans les églises. Alors, quand je chantais, j'avais bloqué mon esprit. J'étais focalisée sur mon micro. Fréba. S'il te plaît, cher ami. Tikelanga bilembo. Au bon exception de Moni. Je vais chanter Lamentation. Alors, dès que tu es prêt, tu peux commencer. Kolo Yesu, yo mwana na nzambe. Yonde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu ebolata pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na bayike na mbala moko o Yesu yo o Yesu yo papa malamu Yesu ekimelo na nga Yesu Yesu pinzoli etangi o Yesu nakomi na suka o Yesu pinzoli etangi pasi na motema nakaba lisolo ango na nani Kasi Freba coach Presi, tu as quel âge s'il te plaît? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Tu es encore jeune. Ok, donc tu as encore le temps d'apprendre. Première chose, c'est apprendre la justesse des notes. Koyemba, eza karate kozala na voix ya kitoko. Eza pe kozala na oreille. J'espère que vous comprendrez. Ozoyemba na chorale, oyemba ka quelque part? Non. Ah, ok. Première chose, d'abord, kota chorale. Luka chorale, eza na quartier na bino. Chorale à église na bino. Chorale, orchestre, t'es. Kende au travailler oreille, d'abord. Et puis, deuxièmement, ce qu'on peut passer audition, baye mbakandie mbo baye bi ba maloba. Tu vois? Oye bi maloba nyon, se ponde mon oye mbakango déjà. Oui. D'accord? Va travailler l'oreille, va dans une chorale, oye ba ba notion et belé à musique. D'accord? Merci beaucoup. Merci, Frézy. Arigan, sens-toi à l'aise. Et là, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Vali Abaka.
Marie-Missa. Très bien. Waouh. Je n'avais pas encore une sauce comme ça. Vas-y. Oh, Valé Abaka, Iloba David Napsom, 84, 6, Tina 7. Valende Lili à période. Et bon, au combo, Abaka, il a qui s'y collé là. Attends. Aridia, oui. Ne perds pas le temps à beaucoup parler, ok? Nous sommes là, nous voulons t'écouter. Beaucoup plus à la partie chant, tu vois? Nayoka kavalia bakala sango valia basusi minyoko pasi pemawa Yesu mobi kisitala lelonga na se retrouver na katina yanga Nayoka kavalia bakala sango valia basusi minyoko pasi pemawa Yesu mobi kisitala lelonga na se retrouver na katina yanga Oh, motonyo sona mokili, mwana nzambe, to mwana nzambe te. Epesa meli biso tole kana vale yango, mpobo nyongona biso emonana. Ah. Oh, motonyo sona mokili, mwana nzambe, to mwana nzambe te. Epesa meli biso tole kana vale yango, mpobo nyongona biso emonana. Ah. Un moment, plus un, plus na un. Na katia lubwa kuya kolela. Un moment, plus un. Vas-y. Un moment. Tu peux donner ton oreille à ton instrument. Atika. Papa, okay. Tika mninga imbako. Imba mo. Nakatia lubwa kuya kolela. Atako se kombaka sozali koboya bakonda na sala katia vale yango. Motema ekombanga normal pona bapasi. Oh nzambe o. Nakatia lubwa kuya kolela Atako sei kombaka sozali koboya bakonda na sala katia vale yango. Motema ekombanga normal pona bapasi. Oh nzambe o. Nakati ya vali ya baka Motema ya baka koko jetoli ya bakonseyo ya malamuto ya mabe Motema ya tutamyo Eka uki loko lalitite Nakati ya vali ya baka Motema ya baka koko jetoli ya bakonseyo ya malamuto ya mabe. Merci Aridia. Dieu te bénisse, ok? Je crois que Tokyo, ok? Là, tu as la décision du jury par rapport à ta prestation. Nzamba Pambolae, ok? Merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. Si on doit continuer avec toi, dans CP là, pour que tout soumettre, tout, tu connais ma boucle, ma coach, tout ça, ça là sur toi. Tu comprends ça? Je suis en train de vraiment. Je suis en train de peut-être un jour, tu vas goûter un peu, tu vas goûter un peu, tu vas goûter vraiment. Ça, il mon papa Mike Kalambay, il faudrait ça vraiment. Mais je suis quitté car un jour tout à coup t'as naïf, mais Léon a mon a faudrait ça. C'est l'homme non, on a qui naïm pas bien, mais je suis comme un bajir ou t'as c'est rouge. Tu vas bien? Oui, en forme? Oui. Tu nous as préparé quel chant pour aujourd'hui? For Your Glory. Oh, ok. Dès que t'es prête, tu peux commencer. Soki na sui ngolu e pa na yo yoka lelo motema nangai na humeli hawa posa komo na yo na la pindai na koti kayote bona Yesu nanti mi nanga nyonsa posa nanga tika la mo konti nanga yeah. Sing it for me. Sing it, sing it. Oh.
girl, sing it. Tikala mo kondi naga bonza be na yo. Yes. Bonza be na yo. Bonza be na yo. Merci Pauline. Merci Pauline. On est bien aux Arabes, Pauline. Boya quand on va tromper, il mourra, boya, bah faut similité. Vous en mona. Alors quand tu es entré ici, avec, excuse-moi, wow. Je dis quelque chose, avec ta taille économique. Oko singa, tu vois. Et quand Rosny t'a dit bonjour, il y avait beaucoup d'innocence dans ta voix. Que je me disais, mais celle-là, elle va nous faire, elle vient nous endormir ici, quoi, mon Dieu. Déjà pour dire bonjour, c'est tout un problème. Mais quand tu as ouvert ta bouche, je sentis vraiment de la matière dans ta voix, ok? Wow. Majabu Talent, c'est une très très belle initiative que Majabu a eu à s'inscrire pour dénicher des talents. Nous aussi, nous étions à la maison. On a suivi la nouvelle et puis nous avons envoyé des vidéos maintenant. On est là et je sais que cette vision va beaucoup aider les jeunes talents. Va vraiment beaucoup aider les jeunes talents. Ça paraîtait comme des aventures, mais maintenant, on voit ce que ça devient encore la réalité pour les prochaines étapes et pour les autres personnes qui vont réussir à tenir un cachet vert. Je disais à la maison, j'ai besoin de ces compétitions, j'ai besoin d'améliorer ma musique, j'ai besoin d'apprendre plus à la musique professionnelle. Si on me donne cette chance d'aller à l'avant, je le promets, je promets à ma job de vraiment me surpasser. Je vais pas perdre. Tu ne regardes pas bien, je ne vais pas perdre. Je suis un peu frustré, mais je ne vais pas perdre. Tu nous as préparé quoi? Une chanson de Sylvain Kachila. Ok. Nice. Oui. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je dis ceci, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant
d'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je dis ceci, je suis okay. enfant de Dieu. William. Papa Mike. William, tu as vraiment des ingrédients dans ta voix. J'aime la nature de ta voix. Et tu as fait un très bon choix de la chanson. Merci, Papa Mike. Oui. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui doit avoir joué un peu en sa défaveur? Tu es en train de chercher à avoir une voix cassée. Parce que quand on entend la ligne au début et la terminaison que tu nous donnes, tu la forces. Et c'est ça qui te fait ça. On ne te dit pas que c'est ça ta voix. Ça, c'est pas ta voix. Ta voix, elle doit être comme ça. Donc tu dois maintenant travailler tes abdos. On a fait de notre mieux. Hein. Devant Déborah, devant Rossini, devant le papa Mike et d'autres coachs. Je suis arrêté ici, c'est la couleur rouge. Moi j'attendais même orange, même vert. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Et je vis en lui, en perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donné. Et je vis. Qui me séparera? Comment? The next en part. Perpétuité, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, iniquité ni tribulation. Dorcas, est-ce que tu peux faire un chant en lingala? À lingala. Yes. Yesa kakasiyo kela kingai namona bika mwa ayo. Yesa kakasiyo kela kingai namona bika. Zanzila ngai komi maekulsu ekulanda yo. Vas-y. Chante. Zanzai kinga. Vas-y. Namote malanga na ye bibi kakatane kozala na nzela na ngaye. Pesa ngai kimia na koma olongi. Un moment. Papa Cedric. You have a beautiful voice. I'm going to say in English, you're going to help me. Tu as une belle voix. You have a beautiful voice. Tu as une belle voix. You have a beautiful hair. Tu as des beaux cheveux. Beautiful skin, keep it up. I love black. La couleur de ta peau est très jolie. But when you go home, when you get out this door,
I'm going to give you a homework. When you get out this door, if you want to come back, and if you come back, practice and then come back here like you want to be the first. Yes. Donc, all right? il va donner un exercice. Quand tu rentres, si tu vas revenir, reviens comme quelqu'un qui veut être le premier. Competition, it means I want to be the first. La compétition veut dire je veux être le premier, la première. Le bac est au micro. So now, down au zonga, so qui na zongi, vraiment na oleka bango. Alors, rapidement, tu as là la décision du jury, viens. Travaille, tu as la décision du jury. Et travaille. Si jamais tu dois revenir, tiens compte de ces conseils-là. Reviens-nous comme quelqu'un qui vient vraiment dans une bataille, ok? Bonjour Ati. Bonjour, merci. Ça va? Ouais, ça va bien et vous? Hey, maman, je t'aime beaucoup, hein? Merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Tu as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 22 ans. Tu habites où? À la commune de Massina, Petro. Parle Congo. Au micro. Ok. Commune de Massina, Petro, Congo. Et tu nous as préparé quel chant? Fongola Likolo de Papa Mike Kalamba. De Papa Mike Kalamba. Ok, ben, vas-y, on t'écoute. Dès que tu es prête, tu peux commencer. Tango Batu Batu Nagangai, Wapinzambi Nayo. Nia no la canna do lendo, ye so zana bomai. Atali bosu na ngai molili, di balingambo na gambo. Na yebi o kosolo zula, bona mona pole. Oyo batuba mona kati yesu, mona kayanga. Yango motema na ngai tatoli, ye so zali nzembe. Yoli poto yitambi suga bomoi na ngaye na butu yuwana yobungani likonza moto otele maka moto ya suga na bituma na ngaye olobi ngala zinga maboko na zele longa. Merci Ati. Ati, 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 Ati. Ati, je vais te dire ce que je venais de dire à quelqu'un tout à l'heure. Tu sais, aimer une chanson, c'est une chose. C'est une chose, voilà. Mais vraiment, trouver la chanson qui te va, qui va avec ta voix, qui met ta voix en valeur, en est une autre, ok? Je trouve en toi quelqu'un qui aime la chanson, yes. Qui aimerait peut-être l'auteur et le chanteur, même l'artiste lui-même. Mais nous sommes dans une compétition. J'aimerais te voir vraiment donner le meilleur de toi, donner le meilleur de toi. Il y a quelque chose, t'es pas nul du tout. Dans ta voix, il y a des choses. Yes. Et je me dis, toi là, Ati, aux côtés de Deborah Lukalu, dans peu de temps, tu peux être une autre Ati. Yes. Avec les conseils, les coachings, l'encadrement. Je sais pas, après tout ce que le jury aura décidé, nous allons te retrouver à Malaika House. Ou c'est aujourd'hui que tu nous quittes? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, nous rendrons gloire au Seigneur. Et si il va falloir que tu nous quittes, va, travaille, reviens-nous à l'édition 2. Mais si tu dois continuer avec nous, je pense que tu as besoin d'un encadrement, te voir comment tu peux évoluer, améliorer ce que le Seigneur a mis en toi, ok? Merci. Viens. Moi, j'aime beaucoup ton courage. Voilà. Rosny, quelque chose pour Ati? J'aime beaucoup ton courage et ta joie de vivre. Lala, dans l'enveloppe, il y a le verdict du jury. Dieu te bénisse en rapport avec ta prestation tout à l'heure. Dieu te bénisse, Ati. Allez, Ati, bye-bye. Bonne journée. Bon, je viens de passer devant le jury et je me sens bien. C'est Dieu qui m'a donné les dons là de chanter. Ndanguyo kanga la koyemba. Na kanisi ke prestation na ngai et convaincre ba jury. Asipele na sombali wana. Na zassure, na voix na nga, na nyoso yanga na makasi na na travail na nga. Tout me stresser, je ne sais pas si c'est l'effet que je n'avais jamais vu ces mondes et tout, vous comprenez? Je suis la meilleure. En moi-même, je me disais que je suis la meilleure. Je vais enfanter. Ils ont voulu entendre ma voix. J'ai commencé à chanter. Dès mon enfance, j'ai croisé la musique à bas âge, depuis les codim. Je pense que ça a été convaincant.
Je voulais impressionner le jury. C'est la première fois que je participe dans des trucs pareils comme Majabu Talent. Les comme ceux qui Je ne pense pas qu'ils m'ont mis le carton rouge. C'est la couleur orange. 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 C'est la couleur orange. Note du jury pour les candidats susceptibles d'être repêchés à la prochaine étape des auditions. Nous pouvons travailler encore de plus bien pour que ton zoom n'a repêché ici. Johnson, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ah oui, je vais. Ramène légèrement le micro vers toi. Le micro, voilà. Tu peux le baisser légèrement. Ok, tu vas bien, mon ami? Bonjour, très bien. Voilà. Donc, sens-toi à l'aise, mon ami. Tu stresses? Non, non, non. Je suis bien, mais je suis seulement content de vous voir. Oh. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Je suis Monsieur Mike, c'est Rockaline, ouais. Suivi de Debra, suivi de Mamanto, suivi de Papa Cédric, suivi de la coach Harley. Là-bas, de l'autre côté, ton accompagnateur, ouais. C'est Emmanuel. Mais aussi, nous avons quelqu'un, c'est Tito. Wow. Derrière toi, regarde. Tu as vu? Tito! Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Oui, une très belle chanson. Très belle déjà, elle est belle. Alors, comme elle est belle, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y quand même. Vas-y, vas-y. Prêt, vas-y, vas-y. Kolo Yesu, yo mwana nanzambe. Yonde mitema yabasanto etalelaka. Bayakina yo bazonga kipambate. Papa malamu yo bola kapasabana. Yo zalimuko ya zana makoki. Yako pesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu we, papa malamu we. Zambe solo. Oh ya ya, ikimelo nangai. Oh Yesu we, pizoli nangetangi. Oh Yesu, na komi nasuka ya ya. Na yebi ozali. Na yebi ozali kolom. Eli kia yabasa tunyoso. Motema epona seyo. Yokolo ya bomo inangaye. Oye sarakangaye. Pasina motema. Nekulusu. Yome maki yango. Merci Johnson. Merci beaucoup. Johnson. Wembe Kota Kambilo, c'est Wembe ça? Wembe Kota Kambilo. Merci Johnson. C'est bien. Mais seulement, je ne t'ai pas trouvé comme venu. Pour une compétition, pour gagner. C'est encore un détail, un degré, celui que Rosny rajoute là, tu vois. Même quand on peut être venu dans une compétition, mais quand on vient avec l'esprit de remporter la compétition, on peut les sentir dans le candidat. Yes. Tu vois ça? Yes. Dis-toi qu'à ce micro-là, Batouba Lekiwana, tu vois? Bayembi. Ah. Alors, je te trouvais vraiment tout mou, là. Yeah. Nayebi, Ozali. Nazo, mon apena moutoueko. Aye, pena compétition, t'es. J'aimerais que tu repartes avec ça. OK? Tu repartes avec ça, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fausses notes, beaucoup de demi-tons, tout ça là, va travailler, ok? Ta voix, travaille également ton oreille, oui. Travaille ton oreille. Ma personne note, pas, on répondra, on va, ainsi de suite, tu comprends ça? Et quand tu nous reviendras prochainement, reviens-nous comme quelqu'un qui vient dans une compétition, ok? Yes. Dieu, que Dieu te bénisse. Te bénisse. Il se peut que les jurys se soient décidés dans cette enveloppe comme quoi tu dois continuer avec nous. Viens, viens, mon ami, viens, viens.
Nous serons heureux de te retrouver, ok? Dieu te bénisse, mon ami. Au revoir. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Wow. Bonjour Esther. Bonjour. Ça va bien? Je me porte bien. Tu es très jolie. Merci. Tu peux juste soulever un peu, relever un peu ton micro. Tu vas bien? Je vais bien. Tu viens de quelle commune? Massina. Ah, ok, ok. Et tu as quel âge? 23 ans. D'accord. Tu nous as préparé quelle chanson? Deli Foco du ciel. Ya Soloana. Ok, ben alors, dès que t'es prêt. Fais-nous des focos du ciel. Ah, bien fort, pasteur. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Mais j'entendis une voix qui me dit: oh pécheur, repens-toi, sinon tu mourras. Oh, quelqu'un dans mon cœur, quand il me sauva. Mais vraiment, y a beaucoup de trucs bien dans ta voix. Plus d'une fois, au Salibiso, dis qui, mais vraiment sérieusement, quoi. C'est par rapport à la parole de la chanson aussi. Hein. Ok. Donc, tu veux nous proposer? C'est par rapport. C'est par rapport à la parole. C'est la parole qui nous touche. Oui, et la voix aussi. Voilà. Et la façon dont je suis en train de chanter. Très bien. Bien sûr que je chante pour mes côtés, mais je chante pour Dieu, non? Amen. Très bien. Amen. I love you. Oh. Merci beaucoup. J'avais aimé. D'ailleurs, là même, je n'avais pas peur. J'avais observé quand je chantais. Et j'avais vu que leur attitude était... Ce n'était pas négatif, c'était positif. Donc, je fais le meilleur de moi-même. Le cachet est en couleur rouge. Premièrement, en étant chrétien, je suis pas de ci. Parce que c'est pas le chant qui nous a emmené ici, mais c'est Dieu qu'on voit en premier. Rouge. Et ça l'inga bien parce que à se cacher dans la maison, on a naie babilo wana te kiza na kasi nanga. De base on dirait mon docteur mon quoi. C'est rouge. Oui, j'étais un peu stressée parce que j'avais faim, un peu peur au fait de chant. Parce que Dieu a mis quelque chose en moi. Il faut la partager, on a peur plenaie. Rouge. Naaki compétition na boule qui na kende musika. Les rouges. Bon, et ça on a gravité parce que j'apprends aussi la musique. Ça fait que 5 mois depuis nos bandits au Yemba et ça n'a gravité. Pas tellement parce que y avait aussi quelques reproches. Voilà. Il y aura aussi d'autres compétitions donc j'espère que je vais faire encore mieux davantage pour arranger un peu quelques erreurs que je fais. Et ça la couleur rouge. Nazani va le voir parce que au Nabane Kozela y a un autre indénassu. Très déçu. Oh là là. Ouais, pour moi c'est une motivation. Je pars travailler et retravailler encore. Donc là où j'avais pas bien travaillé, je vais essayer de tout arranger. Tu vas bien? Oui, très bien. Wow, tu es toute belle. Merci. Miss Harmonie. Vous aussi. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Seulement. Oh, comme le dit pasteur. Tu nous as préparé quel chant aujourd'hui? Bon, moi, ainsi qu'à du pasteur Yannick Tumba. Ok, dès que tu es prête, tu peux commencer. Naraye na lisolo akobeta, mai na yokana sango, lelo na moni na miso nanga. Ezala ki lokola ndoto, na moni lobo kwa nzambe, kobimisanga katia kunda. Je n'arrive pas à imaginer qu'une vie dans le désespoir, zamba ponyo sale langa. Passé nanga ton abable, sûr je t'ai trahi par le mien, mais je dis m'attendis sa mère à nouveau.
Nana koka ki ko imagine moto azangitina babenga yeli konzi ya famille bazala kyo kendo kundanga libakumalamu nakutani na Yesu nanzela libanga oyo babwa kaki lelo yango nde eko mili kunza lupango Soni asili sipasi akoki selinga vila kae nazala kie bembe atandinga loboko nazibo moya sikae bolingo ya masia etinzi na yemba luyembo motema nangae nazala Bembe atanzinga loboko nazibomo ya sikae Batu bamona kaka ba de fou je ne te pas qualifié mais je suis à vie le meilleur en moi Na uti na via soliti doit trahison na jalousie et lika izala ki anime Merci Harmonie merci beaucoup Harmonie Alors Deborah I'll say something. Je m'excuse. C'est Harmonie? Oui, c'est Harmonie. J'aime beaucoup ta voix. Merci beaucoup. C'est unique. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manque, mais je ne sais pas détecter c'est quoi. Je ne sais pas. Je trouve que c'était un peu trop plat, du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de temps fort. Alors on a voulu entendre ce temps fort de ta voix. Mais moi j'ai pas pu le détecter. Mais en tout cas, tu chantes à l'église? Oui. Quelle église? Ministère évangélique de la Victoire. Ok, non, en tout cas pour moi, I love your voice. Merci beaucoup. Coach, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Oui. Harmonie, tu portes le nom de ma fille. Oh. Ma fille est née, elle s'appelle Harmonie. Wow. Harmonie, moi je veux dire, tu t'es endormie sur ta taille. D'accord? T'es grande, alors tu chantes là. T'as chanté du début à la fin, t'es là. Or, le chant, ça demande un mot comme ça, il m'a dit un mot. Je me déjà un mot comme ça. Allez, je suis un mot comme ça. Je suis un mot comme ça. Donc, moi, je Ça demande maintenant, de temps en temps, tu vas travailler. Quand tu vas rentrer à la maison, même à la chorale, apprends à chanter en étant assise. Oso kola nakati. Oso sani tiozo telema. Mais o telema te. O luka ba nuance, lukango. Eza. D'accord? Tu vas rentrer à la maison pour travailler le chant à partir de là. Ok? Et articuler quand tu chantes. Pour ermoko zo yemondo zo miyo kayo moko. Oso yemba pona yo. Pesa biso. D'accord? Pesa biso, tu as besoin de yoka, tu comprends ma kambozo beta. D'accord? Mais Merci. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. Le timbre de ta voix est vraiment. Merci beaucoup. Ma cérémonie, et si jamais tu dois nous revenir prochainement, reviens-nous conséquemment. Tiens compte de tous ces conseils, ok? Bonjour Sagesse. Bonjour. Bonjour Nadia Rosny. Ça va? Ça va très bien, merci. Tu vas très bien? Très bien. Je suis très bien habillée. Merci beaucoup. Sagesse, vous nous? Oui, oui. Très bien mon ami. Tu viens d'où? De quelle commune? La commune de Matete. Ah ok, wow. Ok, c'est la première fois qu'on est quelqu'un de Matete? Ouais, apparemment oui. Ah oui. Mais sûrement qu'ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Ils viendront sûrement à tour de rôle. Tu vas bien mon ami? Très bien. Très bien, ça j'aime, trop bien. Trop bien. C'est une preuve que tu ne stresses pas, ok? Oui, oui. Alors, tu nous as apporté quoi aujourd'hui? Mon meilleur ami de la sœur Rousseline. Ok, mais c'est quand même intéressant. Là, c'est un frère qui interprète une sœur. Oui. Qui interprète Rousseline. Parce que beaucoup sont... Non, il y a un frère qui l'a fait encore. Ah, tu oui. vas être le deuxième. Alors, nous t'écoutons mon ami. Dès que tu es prêt, tu peux commencer. Mon meilleur ami... Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler.
meilleur ami. Moni ngala ngaya mutima, akoti sangala famia bonzamben. Nabeti loli solo ya kamaradi nanga, hazara kali susu kamaradi ten. Hakuma na ye famina ngahien, ile mo meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, yeah. Mon meilleur ami, yeah. Jésus mon meilleur ami, yeah. Jésus mon meilleur ami, yeah. Papa n'a la yotosa na mastolo ebile, yeah. Wow, batwa mokili bako kiko comprendre ten. Esi kayo loko tanga e moringa nanga e. Merci. Merci sagesse. Merci mon ami. Wow, sagesse. Ma meilleure amie dit quelque chose. Tu as une très belle voix. À ta place, j'aurais peut-être choisi de la chanter peut-être un peu plus bas, hein, une tonalité un peu plus basse que ça, mais je pense que tu as une très belle voix. Qu'à cela ne tienne, donc ce que tu as pu nous donner aujourd'hui, dans cette enveloppe, tu as la décision du jury. Si c'est aujourd'hui que tu nous quittes, gloire à Dieu, reviens-nous à la saison 2. Et si les jurys se décident à ce que tu continues avec nous et qu'on se retrouve de l'autre côté de Malaika House, nous serons heureux. Ce sera une bonne occasion pour toi de pouvoir jouir de beaucoup d'encadrement de la part de nos coachs. Ils sont expérimentés à la matière, ne t'en fais pas. Viens mon ami, viens. Voilà, j'aimerais que ça soit ta mère amie qui te la donne elle-même. Que Dieu Allez. Te bénisse. Merci. Tu vas bien, Joël? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci, mon ami. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Autrefois, j'avais pensé que vivre loin de toi, je pourrais errer sur ma vie. Autrefois, j'avais pensé que vivre loin de toi, je pourrais errer sur ma vie. Et un jour, je connus une situation compliquée. Mes amis m'ont quitté. Et un jour, je connus une situation compliquée. Mes amis m'ont quitté. Et un jour, je marchais toute seule lentement. Et je vis une personne qui s'approchait près de moi. Il m'a parlé. Fais-nous autre chose. D'assez connu, hein. Quelque chose ouais. de connu. Change de chant. Et mon iselie meminga, l'homme n'a bon moi. Mazoua qui est, moi nana pâté, l'ilingi na yesu. Azala kimbe kayali sapolo ya Biblia. I like him. Vas-y. I like him. Azala kimbe kayali sapolo ya Biblia. Nabokiti samana ye ya mwana nampate. Na gete semana longwete na mokano na papa. Yango tozwi lobiko. Merci. Merci Joël. Joël, écoute. Tous, nous avons... Vas-y, prends-moi la partie refrain. Tala mwana mpate na Nzambe. Vas-y. 1, 2, 3, 4, come on. Tala mwana na mpate na Nzambe. Molonga lima sumuna mokili.
tala mwana na mpate na nzambi ndeko ya kamu na bebi la Yesu. Merci, Deborah. Ouf. Tu as une belle voix. Mais tout au long de, du temps que tu as pris à chanter, il y a un son nasal qui sort. Mm. Une belle voix. Mais ce truc-là doit finir. Et je sais que c'est possible. Peut-être qu'il y a personne qui te l'a déjà dit. Je crois qu'avec le coaching, avec beaucoup de travail, ça va sortir. Déjà, la voix est belle, de nature. Et puis, tu n'as pas beaucoup de nuances, c'est vraiment très naturel. Mais le son nasal abîme cette beauté de ta voix. Mm, I agree. Oui, bien sûr, vas-y. Au fait, c'est tout un témoignage pour moi. J'ai été opéré dans la gorge. Et tout au long de mon enfance, j'avais fait 4 à 5 mois sans parler. Vu que j'étais troué là-dedans, je ne mangeais pas pendant 3 à 4 mois. Et tout ce que je mangeais sortait par ici. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu avoir cette voix, mais c'est grâce à Dieu. Raison pour laquelle je lui ai donné ma vie. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Je crois qu'avec beaucoup de travail, ça va aller. Tu as une très belle voix. Merci. Yes. Que Dieu te bénisse, Joël. Ici, la décision du jury. On espère te revoir bientôt. En tout cas, va encore travailler. Considère ce que la sœur Déborah t'a dit. Et je pense que tout ira mieux. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Bienvenue, je suis Kabanga Kalombo. Bienvenue. Prenez place au micro, mon ami. Tu peux le ramener à ta taille. Bonjour, Gédéon. Bonjour. Tu peux parler au micro, mon ami. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Gédéon Kabanga Kalombo, c'est ça? Oui, oui. 20 euros, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, on y va, c'est parti. Mi. Très bien. Ninyango tupe sabato Oyo bako salaka Makambo Oye koleka loko la bango Maloba yango tusimba Eko pimbwa Nakaina Ya bomoi Oh, oh ya mutu ya topesa nani hey Pararararara Batwa mayele ba mema kimba holo Mpe malaso ya mutu ya nabango Yo kalo yebwa mote mandeli bonza Oya motu ya nangai nako pesa Bato ama yele bame makimba olo Mpe malaso ya motu ya nabango Yo kalo yebwa mote mandeli bonza Oya motu ya nangai Na kupesa Yahweh. C'est bon mon ami. Merci, merci. Gédéon. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Ici, dans cette enveloppe, tu auras la décision du jury par rapport à ta prestation. On espère te revoir. Viens mon ami, approche. Tu peux approcher. Que Dieu te bénisse. Au revoir Gédéon. Merci. On t'appelle Oti? Oui. Ok. Comment ça va, mon ami? Oui, ça va bien. Voilà, je vais te dire quelque chose, Otiniel. Une sœur est passée là avant toi. Elle nous a fait énormément du bien ici. Elle s'appelle Plamedi. Ok?
J'aimerais vraiment que l'onction de Plamédie plane, sur toi, yes. plane également sur toi. Amen. Hein? Voilà, Dieu te bénit, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà que tu nous proposes ce que tu nous as amené aujourd'hui. Ah ben, aujourd'hui, j'ai amené la chanson de El George, Volontiers. Volontiers? Oui. Ok, je vois ça, je vois. Hmm. Tu rappes en même temps? Oui. Oh, mais c'est bien. C'est bien. Mon Dieu. On aime les rappeurs ici. Dès que tu es prêt, tu commences. Yes. Je sors du milieu d'elle, je quitte les mondes et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes envies qui mènent à toi. Ah, ok. Éternel est son trône, il règne à jamais. Il a le contrôle du monde et de l'univers, dit ta main. Ah, que je continue, la mort l'apparaît ténie. Il récite à contenir le nom de tout nom est devenu supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus remarquables que le leur, le sang, l'humanité était amoureux. Impeccable. Pendant sa vie sur terre, il n'a pas péché, il n'a pas failli. Repense sa robe, remplit le temple comme l'a dit Esaïe. Et si je tressaillis de joie, c'est parce que Jésus-Christ règne sur mon pays depuis l'époque de l'exaïr. Mais bien avant, son règne n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et nous voulons le couronner à lui chantant ce refrain. Ne m'applaudis pas quand tu me regardes, fais-les avec des bonnes intentions. Moi d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité est que j'ai encore besoin de compassion. C'est bon, mon ami. Merci beaucoup, Otiniel. Yes. Je dirais la même chose que l'ambassadrice de Bora a dit hier à un frère qui est venu, qui a également rappé comme toi. Okay? Par contre, je sens que tu n'es pas très loin de la réalité quand tu chantes. Tu vois un peu ce que fait El George, que nous essayons de prendre comme modèle. Il rappe, mais également il chante. Tu vois ça? Et même quand il chante, il fait corps avec l'instrument. C'est très bien quand même. Ça, c'est la maladie de beaucoup de rappeurs. Ils se disent, bon, nous, on ne chante pas. On n'est pas chanteur, on est rappeur. Alors, quand on peut concilier les deux, et les chants et le rap, ça fait toujours un plus. Tu vois ça? Va davantage travailler ta voix. J'étais beaucoup apprécié dans le rap. Alors, mon ami, là, tu as le verdict du jury, dans cette enveloppe, si on doit continuer ensemble, ça fera bien, n'est-ce pas, chers membres du jury, que dans Amalaika House, nous avons quand même une sauce différente. Ouais, ouais. Voilà. Otiniel, Dieu te bénisse, mon ami. Que Otiniel. Dieu te bénisse. Merci d'être passé. Si tu reviens, s'il te plaît, quand on dit rap, rap, il ne faut pas, tu rentres là, tu traînes, rap, rap. Quand on te donne l'opportunité, tu saisis directement. C'est très important. Que Dieu te bénisse à la prochaine. Prenez place, Naomi. Bonjour. Approche au micro. Oui, tu vas bien? Va. Oui. Ok. Sans plus tarder, tu es prête? Oui. On peut commencer? Oui. C'est parti. Pourquoi rêver d'un paradis? Ce maintenant et c'est ici. Pour vivre ce bonheur devant le genre. On dit d'aimer, on dit plus tard. Et si d'aimer c'était trop tard pour partager ces bonheurs, alléluia, 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 alléluia. Ça y est. Wow, Naomi. Merci beaucoup. Tu as une très belle voix. Tu sens ça, hein? C'est comme un ange qui chante là. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne sais pas faire ce que tu fais, hein. Viens, ma chère, viens. Fais ça.
Écoute. Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es pas... Qu'est-ce qui se passe? On t'a frustré là-bas dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, dans cette enveloppe, tu as la décision du jury. Si jamais elle est telle que nous devons continuer ensemble, nous aurons à pouvoir t'encadrer. Et, tu as une belle voix. Tu as une belle voix. Travaille là encore. Travaille ta voix. Donne-toi au travail. Je sens que tu aimes chanter. Bonne chance à toi. Bonjour Naomi. Bonjour. Ça va? Oui, tu vas ça bien? Va très bien. Merci. Pas stressé, hein? Non. Non, pas du tout. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis étudiante. Tu peux parler? Je suis étudiante. Oh, tu fais quoi comme étude? Alors, je fais la pédiatrie. Waouh! À part ça, tu aimes le chant. Oh, oui. Ok. Et c'est quel chant que tu nous as préparé pour aujourd'hui? La chanson de Tasha Cobbs, mais traduit en français. En français, ok. Dès que tu es prêt, tu peux commencer, tu peux communiquer avec le pianiste, c'est comme tu veux. Merci d'être passé et d'être venu, d'avoir pris part à Majabu Talent. Tout revient au jury de décider si tu dois continuer avec nous ou pas. Ok? Alors, prochainement, si tu dois nous revenir, sois précise dans ce que tu dois faire. Ok? Dieu te bénisse. Merci pour ta prestation tout à l'heure. Vous avez là, demain, de l'ambassadrice Rosely Kaïba, la décision du jury. Ok? Travaille ta justesse, tout ça là. Et si jamais on doit être ensemble, je crois que la coach Harley va beaucoup t'aider. Ok? Yeah. Dieu te bénisse. Merci d'être passé. Dieu te bénisse, Naomi. Tu nous as préparé quel chant? Je préparais la chanson de ma meilleure amie, la vôtre, bien sûr. Oh, okay. Dès que t'es prête, tu peux commencer. D'accord, merci. Mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganga ya motema, à côté sangana famia bonzambe, nabete loli solo ya camarade nanga. Azala kali soso camarade te akomana ye famille nanga eh. Il est mon meilleur ami eh. Son nom c'est Jésus. Attends, son nom Tegra, c'est vrai qu'on peut déjà voir la décision du jury, mais permets-nous de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Chante un peu plus audiblement que ça, ok?
On aimerait t'entendre. Donc, si je comprends que je change de note, la même note. Non, mais sors-nous un peu. Ou même une autre chanson. Une autre chanson. Une autre chanson. Celle-là, tu... mais de préférence une autre où tu nous sors un peu plus ta voix. C'est parti. Na piscine la na monte melo bae. Oyo nyo swe bombeli o tililo yo. Libo so ya ke ti angolo na yo e. Malo be zangate. Na piscine la na monte melo bae. Oyo nyo swe bombeli o tililo yo. Libo so ya ke ti angolo na yo e. Malo be zangate. Merci, 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 Tegra. Tu chantes à la chorale, Tegra, tu chantes quelque part? Oui, à l'église. Quelle église? Le ministère Mayo. Mayo? Oui, ça signifie mission apostolique d'intercession pour les opprimés. Ah, oui. J'ai beaucoup aimé ta voix. Je pense que pour une compétition, tu devais faire un peu plus, hein, ou faire rêver Bissot, au mauvais bien, au yimba la précision. À un moment, je sentais comme si Bando yimba la zolo. Ça, tu dois travailler sur ça. C'est des choses qui peuvent se travailler, oui, ok? Si jamais dans cette enveloppe, excusez-moi Rosny, le jury s'est décidé qu'on continue avec toi, nous avons la coach Harley, oui, qui nous est avons là. Papa Cédric qui est là, c'est le cher époux de Madame Déborah Kalou. Ah, tu savais pas, hein? Non, je l'avais déjà vue. Elle ne passe pas une aperçue. Voilà, il y a également Maman Anto qui est là. Nous pourrions beaucoup t'aider. Merci d'être passé, Tegra. Dieu te bénisse. Bon, je pense que je donnais le meilleur de moi. Ce que je pouvais faire, ce qui est essentiel. Et le niveau qu'eux, ils peuvent m'attribuer, donc ça dépend d'eux. Ça, ce n'est pas de moi d'en déduire parce qu'eux, ils sont plus expérimentés que moi. Donc, si je ne passe pas, je ne pense pas que ça peut influencer ma carrière autrement. Parce que premièrement, lorsque je suis venue, ce n'était pas... la compétition proprement, je suis venue pour savoir peser mon niveau, donc savoir à quel niveau je suis et qu'est-ce que je peux faire. C'est à rouge. Oui, la question que je me posais, j'ai le récit ici parce que ça va m'aider à beaucoup travailler et ça ne va pas me décourager en fait. Donc je vais encore plus travailler. Bonjour Maryse. Bonjour. Dadanasa? Oui. Ça va? Tu vas bien, maman? Oui, ça va. Ah, je suis un peu curieuse. Vous avez quel âge? 27 ans. Ah, ok. C'est la première fois que tu passes par ici, Maryse? Oui, c'est la première fois. Alors, il y a une autre Maryse qui est passée avant toi. Okay. Oui, c'est bon. Pense. Alors, c'est quoi que tu nous as préparé aujourd'hui? La chanson Mon Jésus de la sœur Nadège Mboma. C'est parti. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lesquels je ne peux vivre, pour lesquels je vais vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. Changer d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel? Mon bonheur et ma joie, mon tout à tout, mon bien apprécié personnel. Merci Maryse. Ok. Merci Maryse. Maryse. Ça va? Ça va bien. Tu n'es pas satisfaite? Tu as l'air un peu triste, ça va? Oui, ça va. Ok. Je crois que Maryse, tu as besoin de beaucoup d'encadrement. Ce qui est bien avec Majabu Talent, c'est qu'au-delà de tout ce que tu peux voir, nous jurons également d'un encadrement des personnes vraiment habilitées à les faire. Ok? Oui.
Même des encadreurs spirituels seront là. Nous aurons des coachs pour nous suivre de près, nous permettre vraiment de nous améliorer, ok? Oui. En rapport avec notre savoir-faire, tout ce que le Seigneur a déposé en nous comme dons et talents. Dans l'entretemps, tu as la décision du jury dans cette enveloppe. Tu peux venir, viens, merci. viens. Bien habillé, hein? Oui, en plus, très belle robe. Que Dieu te bénisse abondamment. À tout moment. Yes. Merci. Bonjour, Jackson. Bonjour, maman. Jackson, ça va? Oui, ça va bien. Ok. Tu es à l'aise? Très à l'aise. Ok. Sens-toi à l'aise, mon ami. Ça t'aura permis de vraiment nous donner tout ce qu'il y a en toi, ok? Merci. C'est quoi que tu nous as préparé aujourd'hui? Bon, j'ai préparé Fongo le Langa Lola. Ok. Vraiment, ça va être soit bien Lola ou Fongo Mama. Merci. Si tu es prêt, tu peux commencer, papa. Yozali, mon kondi, ponayo, nengana, zibomoye. Na sengi molimo mo santane to la masia le lo bikamwa bilembo ya bonzambe salema Fongolela ngalola, natomboli maboko, sopelela ngakembo na yo, nalingi na mona. Pasolela ngalola, natomboli maboko, salela ngabika mwana yo, nalingi na mona. Bilaka yo pesa nanga, nabumba na motema, pamiba oye simba kanga. Ezatango yoloba yokotika nga jamais papa yomoko yokosala na Jackson. Merci Jackson. Bon. Très bien, merci. Je me dis qu'à la fois tu devras travailler ta voix, la nourrir. Tu es conscient de ça. Alors moi j'ai vu deux choses. Tu as demandé ré, tu as chanté sur fa, ça c'est premièrement. Deuxièmement, tu fermes les yeux en tant qu'artiste quand tu vois déjà que la personne avec qui je devrais faire chemin n'est pas avec moi. Mais regarde-le. Si tu as fait l'erreur, tu souris, tu lui dis, rejoins-moi. Ma préprestation n'a pas du tout convaincu. Ils m'ont dit que ma voix n'est pas à bonne santé. Ils m'ont conseillé de faire beaucoup d'exercices vocaux. Voilà. Prenez place, mon ami. Bienvenue à Madjabou Talent. Prenez place au micro. Bonjour, Steve. Est-ce que tu peux ajuster ton micro? Boni, ça va? Ça va, bien. Vous êtes calme, ma casse, papa. Vous êtes calme, Polanini. Oh, j'ai là. Maman, toi, où tu petit séminaire? Coach. Pasteur, au cause de la raison. Où tu petit séminaire? Où tu répétition séminaire? Oui, il va. Ok. Ok, tu es trop calme. D'abord, lâche un peu tes mains, tes deux mains, voilà. Relax. Dans la maison des dieux, il y a la plénitude de joie. Nous, nous sommes des enfants des dieux. Madjabou, c'est la maison des dieux. Et chez nous, la joie des dieux règne. Ok? Ok. Sans plus tarder, c'est parti. Tu veux quoi? Un jusqu'à trois? Un, deux, jusqu'à deux? Trois, jusqu'à quatre, trois. Cinq. C'est parti. Izaka kaseyo kela kinga namona bika mwana yo Izaka kaseyo zala nzambe lokumwezo ngana yo naebi Izanzila nangai Kome mekulusu Mekula na yo Kasinga Sengelo komoko
nangai naebi mikakata ne kozala nanzila nangai pesangai kimya nakoma molongi zamenanga o. Attends, rapidement, un autre cantique. J'aime déjà ta voix, sincèrement j'aime ta voix. Mais après je me dis ça ne suffit pas. Vas-y, rapidement, un autre. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné. Ni son fils mendiant du pain. Quelle puissance, quelle onction dans le nom de Jésus. Prince de paix, sois loué, tu es bon. Tu es bon, mon Seigneur. À un moment, quand tu descends, je sens, elle est limpide de ta voix. Mais tu ne l'as pas encore travaillée. Si tu travaillais cette voix-là, tu vas être un très bon chanteur. Si on a quelqu'un comme ça, je ne sais pas, après la décision du jury, qu'est-ce que le jury aura décidé? Si nous t'avons Malaika House, même si tu n'arrivais pas à remporter cette compétition, tu seras reparti avec des notions. Tu as demain de Rosny Kaïba, notre chère ambassadrice. Steve. Voilà la décision du jury pour aujourd'hui. Dieu te bénisse. Amazing Grace. Ok. Amazing Grace. Dès que tu es prête, tu peux commencer. Un moment. Grâce. Oui. Grâce. Tu vas bien? Oui, ça va. Grâce, moi, dit Kabea. Je sais que tu peux, et sans en même temps, que tu peux nous faire du bien. Ne stresse même pas un ne peu. Ne stresse pas. Mais tu me donnes l'impression de trembler, qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu trembles? Non. Faut pas trembler. Tu peux le faire. Oui. Yes. Est-ce que tu peux me soulever de cette chaise, s'il te plaît? S'il te plaît, grâce. Amazing grace, how sweet the sound thou hast saved. Reach like me. C'est fini. Waouh. Tu as là des mains de l'ambassadrice Déborah Lukalu. Prendre ton enveloppe. Dieu te bénisse. De voir toutes ces personnes qui sont là, c'est ce qui m'a un peu impressionnée. Voilà, j'ai béni Dieu pour ça.
Moi-même, j'étais très contente de ce que j'ai donné comme talent. Et la réaction des jurys, ils étaient tellement contents aussi. Contents et très, très contents. Donc, c'est ce que je peux dire. Quels que soient les résultats, je rendrai grâce à Dieu. Oh, wow! C'est du vert, ça! Je suis dans la compétition, je continue l'aventure. Merci beaucoup. Bonjour Nadia Rosny. Ça va? Koyemba eza karaté kozala na voix ya kitoko. Concours Majabu Talent, tu as vu tous les gens qui sont à l'extérieur. Quel sera le sort de nos candidats ce soir? Si vous pouvez couper. J'étais pas dans les bancs. Je peux dire l'audition n'a pas vraiment bien passé pour moi. Par la grâce de Dieu, j'ai pu donner le meilleur de moi. Moi, je m'attends à un résultat positif puisque j'ai vu que le Christ a agi en moi. Ah, si nous traitons Jésus, nous traitons l'éternel.